Allez hop. On y retourne. Alors j'espère que la capture est bonne. Oui, ça a l'air très très bien. Je me pose, je parle pas trop fort. Allez, salut à tous les gars, c'est Dark. Si on se retrouve pour la suite, donc la mission 7 en héroïque de Réunion. Alors, apparemment, la dernière fois, je ne savais pas trop où nous étions. On est où? Ah voilà. Silence radio sur toutes les ondes. Je n'ai aucune liaison distante. Bref, on est au milieu de nulle part. Ah voilà. On ne nous a pas fait venir ici par hasard. Cherchons par là. Oh là 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 là. Donc, mission 7 en héroïque réunion, explorer le complexe. Ok. Bon, déjà le son, j'espère qu'il est bien bon là. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais pas parler trop fort parce qu'il est tard. Il est très tard. Bon, ce qui compte. Alors par contre. Ce qui compte, c'est le paysage. C'est magnifique. J'en reste sans voix quoi, en fait. C'est magnifique. Oui, je suis un tueur d'oiseaux. Bon, donc là on a un gardien. Est-ce qu'on en a d'autres aux alentours? Non. Ah si, il y en a encore un autre là-bas. Il y a des gardiens qui nous englobent. Explorer le complexe. Donc à mon avis, on va rencontrer Cortana. Hein, à tous les coups, je pense que... On va aller à la rencontre de Cortana. Est-ce que je peux aller en dessous là? Ah non, je peux pas aller en dessous. On devrait y aller. On trouvera pas de réponse en restant planté là. Eh ben, deux minutes. Kelly. C'est Kelly qui me parlait. On va faire la rencontre de Cortana. La console s'est allumée à mon approche. Oulala, là là, les gars. C'était quoi ça? Ça venait de la console. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas utilisé ce signal? Accédons à la console, s'il s'agit de Cortana. Bon, sûrement une petite cinématique. Cortana, vous me recevez? Pas de réponse. C'est quoi cet endroit? Une planète Forerunner. On n'en sait pas plus. Ouais, donc ils en savent pas plus que moi. Soit c'est Cortana qui nous a fait venir. Elle est quelque part dans le coin. Major, souviens-toi de Meridian. Ça a été un vrai massacre. Et il y avait des civils. Je sais. Elle ne savait peut-être pas ce qui allait se passer. Et si elle l'avait su? Il faut d'abord la trouver si on veut en savoir plus. C'est rien. C'est magnifique, c'est vraiment... La faune a été vraiment... C'est splendide, quoi. On peut prendre bien le temps 2 minutes de regarder, hein. C'est beau être un jeu d'action, je pense que bon, ça mérite quand même d'être regardé. Splendide, rien à dire. Vraiment rien à dire. C'est super beau. Cet endroit est incroyable. Ça fait froid dans le dos. Le résultat de ces analyses ne s'apparente à rien de connu. Il s'en dégage un sentiment de perfection formelle. Comme si c'était artificiel et organique à la fois. Alcée serait déjà en train de faire des prélèvements si elle était là. Et elle aurait aussi déterminé les coordonnées exactes de cette planète. Eh ouais. Encore un gardien là-bas. Putain, j'en reste sans voix les gars, je vous le dis. Hein. J'en reste sans voix.
Rien à dire. Hein. On a déjà la mission 7 hein, quand même. Comme je vous l'ai déjà dit. Mais pourquoi Cortana nous a fait venir sur cette planète? C'est la question. Ah, j'entends un vaisseau. Ou si c'est le... En accédant à la console, on a activé cette grande structure. À en juger par le signal qu'on a entendu, elle serait par là-bas? Possible. Qu'est-ce que c'est que ça? On arrive par là, là on a quelque chose. On recherche toujours des coins où grimper. Un cadavre de grognard. Que font les covenants par ici? Restez sur vos gardes. Et après, il y a eu un éclair de lumière. Le gardien nous a emmenés au paradis. Les prophètes ne mentaient pas. Le grand voyage existe vraiment. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? On va aller voir. Mystérieuse cette vidéo les amis. Mystérieuse. Vraiment mystérieuse. Et voilà le gros de la troupe. On se prépare équipe bleue. Cortana est quelque part sur cette planète. On doit la trouver. On a une porte, c'est marrant ce truc, on dirait un passage. On attaque le rapace. Bien reçu. Allez, c'est parti les gars. Un peu d'action. Enfin, ça n'a pas duré longtemps, mais on a eu un peu d'action. J'ai vu un terminal. C'est bon. Que font mes convenantes par ici? J'avais tort, le témoin. Ils ont l'air désorientés. C'est notre comme s'ils venaient de débarquer. Ils ont regardé à l'intérieur de ma tête et ils ont vu que je doutais. Oh, j'aurais jamais dû douter. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Il y a des passages de partout, quoi. De partout. Ah, ok, c'est un petit... Ah, un crâne. Oh, on a trouvé un crâne. C'est quoi ça? Fête au grognard. Bon. Crâne réunion. Ma foi. Pur hasard, mais bon. Bon, l'épée, je m'en fous un peu. On va demander... Non, on va garder, allez. Je préfère qu'ils gardent leurs armes, là. Parce que, bon... Quoique, j'en donne... Et si j'en donne une... En position, okay. Prenez ces coordonnées. Ah, prenez cette arme, c'est l'arme que je veux que vous preniez. Prenez cette ouais. arme. Je préfère garder mon arme. Ils veulent pas les prendre les armes, putain. Ils sont chiants. Allez, on avance un peu là.
Mais des passages de partout. C'est un truc de ouf ce jeu là. Regardez, vous avez encore un autre passage en face. D'autres ennemis, tenez-vous prêts. Oh putain! Oh, je me suis fait défoncer net là. Sûrement un sniper. Je ne sais pas ce qu'il m'a eu. J'en ai aucune idée. D'autres ennemis, tenez-vous prêts. Ah ouais, des snipers, ok. Putain, mais je ramasse là. Mal, hein, ils ont leur canon. Putain! Ah, celui là, vous le ramasse. Viens toi là. En doute. J'ai touché l'élite. Tuez cette élite. Pas de problème. Voilà. Ah, j'ai vu qu'il y avait un sniper. Hein. Là, par là. Ah, là en haut, là. Herbe. Hop. Ça, j'y laisse. Ah, carabine. Ça, c'est bon, la carabine. Hop. Voilà. Et des passages de partout, quoi. Ici, là-haut. Là derrière, on aurait pu arriver d'ici, je pense aussi. Ah, non, vraiment, c'est varié quoi. Bon, objectif localiser Cortana. Ok, bon, on sait toujours pas où on est, hein, je vous le dis. Donc, si vous demandez sur quelle planète on est, j'en ai aucune idée. Cortana nous a fait venir, nous a importé. Ça tire depuis cette partie. J'ai besoin d'aide. L'élite ne me lâche pas. Tu peux y aller, Major. J'y retourne. Tu as raison. On va leur montrer. Ça, c'est des passages, ça, c'est obligé. Bizarre, je sais pas. On dirait des portes. Autrement, les patrouilles Covenant vont finir par nous tomber dessus. Non, ce maudit bouclier nous parle. Le démon, fuyons. Je mets ta couverture. Oh, il y a du monde là, les gars. On peut se tirer dessus. Je vais récupérer tout à l'heure, putain, si ça avait... Putain, merde. Le rapace s'acharne sur moi.
là. Une nouvelle cible. Prenez. Il y a un complexe Fort Runner ici. Les Covenants semblent croire qu'il leur appartient. Enfoncez les lignes ennemies. Oh putain, les snipers, il va me tuer, il va me tuer si je me pointe pas. Ouh, c'est pas passé loin. La bouffe. Ça je prends. Le canon. Les grunts. Vas-y Storm. Ouais, je suis plus fan de la carabine. C'est pas chier, c'est beaucoup plus précise. Même si on dirait pas quand je dis. Mais... Ah, il y a quelque chose là-bas. Là. Y a un passage ici. Regardez, encore un truc. Encore un élément. Il y a des trucs cachés de partout quoi. Si vous prenez le temps de fouiller, vous trouverez plein de machins. Ouais, donc c'est bien des portes. J'arrive pas à y enfoncer, hein. c'est moi qui suis pas. Ah, je sais pas. Je ne sais pas. Ça doit être sûrement moi qui dois pas réussir à forcer le passage. Voilà, allez. Bon, un peu de gaspillage face au rapace, mais. Allez, continue. Allez, putain. On attaque le rapace. Bien reçu. Ça roule. Bien reçu. Il est mort. L'ennemi tire depuis cette corniche. Bizarre, je n'ai pas connaissance de cette arme. Putain, j'ai plus de mumune. Là. J'ai une cible. Voilà, ça c'est fait. Les carabines, je crois que c'est la meilleure arme. La meilleure arme alien, enfin Covenant. N'est pas à chier. N'est pas à chier là-dessus. Regardez ça. Tiens, bouffe. Putain, magnifique. Putain, c'est bon, super on l'a beau. Vraiment super beau, quoi. Il y a moyen que je monte là. Bon. Comme si quelqu'un voulait les empêcher d'entrer. Mais pas nous. Si Cortana se trouve vraiment sur cette planète, comment est-elle arrivée ici? Ah, bonne question. Le vaisseau du Didacte est passé en sous-espace. Il aurait pu atterrir n'importe où. Bon, j'ai vu la console, hein. Rassurez-vous, je l'ai bien vu. Mais je vais farfouiller avant d'activer. Ah, ok, on a un mur invisible ou c'est moi? Ah non, je le disais. Putain. Qu'est-ce qu'on a ici? Apparemment, il faut aller là-haut. Donc je vais activer la console, on va voir ce que ça nous dit. Nous pouvons rejoindre Bastion. J'ai envisagé
Ok, on sait pas qui parle. Bon, est-ce qu'on va rencontrer Cortana? On va voir, on va te fixer. Putain, mirez cette vue, quoi. C'est magnifique, quoi. On bouge, équipe bleue. Ça m'intrigue. Je n'ai jamais bossé avec une IA. Enfin, pas comme tu l'as fait avec Cortana, en tout cas. Comment ça fait d'entendre sans cesse sa voix dans ta tête? C'est indescriptible. Mais encore? C'est tout. On bouge, équipe bleue. Nouvelle console. Toujours le même signal. On active la console? On dirait que c'est ce qu'on doit faire. Il y a du mouvement près de la constructeur. Major, qu'est-ce qui va se passer quand on activera les consoles? Je ne sais pas. Dommage que les Forerunners n'aient pas pensé à laisser un manuel. Si ce signal provient de Cortana, elle cherche à nous guider jusqu'aux consoles. Ses compétences de guide laissent à désirer dernièrement. En avant, on finira bien par découvrir ce qui se passe. Ok. Bon. On continue d'avancer donc. Oh là là. Oh putain. Encore un de ces mastodontes. Je me demandais... Vous croyez qu'ils sont arrivés avec les Covenants? Ça paraît logique. Tous les vaisseaux pris dans la bulle de sous-espace ont dû être propulsés ici. Quand ils vont s'activer, qu'on va les activer, je pense que ça va être monstrueux, quoi. Là, c'est sûr, on nous conduit quelque part. Parce que c'est des armes, ça se voit, quoi. Major, regarde. Qu'est-ce qui a fait ça? Identifiez-vous. Je suis le Veilleur Éternel. Je suis là pour protéger Cortana. C'est elle qui m'a appelé. Et tu es aussitôt accouru. Elle connaît ton nom oublié. Celui que tu portais avant de devenir un insecte. Ne trouves-tu pas étrange que ta fidèle compagne t'ait caché un secret d'une telle importance? Je veux voir Cortana. Oh, pas tout de suite. Approche. Nous avons encore à parler.
Oh là là, c'est vraiment bizarre, hein. Putain, dis donc. Alors, est-ce que le veilleur qu'on vient de voir, est-ce que c'est le même veilleur qu'on a combattu en tant que Locke dans la précédente vidéo? Enfin, il y a deux vidéos en arrière, deux vidéos plus tôt. Ou est-ce que c'est encore un autre veilleur? Je pense que c'est le même, hein. C'est le même veilleur. Donc, ouais, bizarre, hein. Donc, il obéirait à Cortana, comme d'habitude, hein, comme on s'en est déjà aperçu avec Locke, en tant que Locke. Tu as répondu à son appel. Pourquoi? Que comptes-tu faire quand tu l'auras trouvé? Ah. Dois-je commencer? Quand tu la verras, tu as l'intention de... Je vais la ramener à la maison. Si tu comprenais ce qu'elle est devenue, tu n'évoquerais pas un concept aussi puéril que celui de maison. Ok. Bon, on est toujours dans la mission 7, c'est ce que je voulais voir. Qu'est-ce que Cortana a fait et est en train de faire? Ça, c'est vraiment la grosse question du jour. La sentinelle. Ça devra attendre. J'ai une cible prioritaire. On élimine cette sentinelle. Ça nous emmerde. Bon, les forerunners sont là. Non, les Prométhéens sont là. Des armes de merde. Ah, faire gaffe à pas tomber là. Je l'ai eu. Ça. Fusil léger, un peu mieux. Ah, c'est bon, je les ai eus. Votre confiance mutuelle relève de la folie douce, une folie qui occulte sa véritable vocation. Mm-hmm. Où est-elle? Nouvelle cible de soldats. Pas de problème. Il y a quelque chose, j'ai vu qu'il y a un passage ici là. On va voir ce qui se passe là-bas là. Ou est-ce que c'est juste un raccourci? Ok, c'est un raccourci. Ouais. Autant pour moi. Tirer sur ce soldat. Je vais épargner à Cortana les affres de ton inéluctable trahison en t'éliminant sur le champ. Le manteau de responsabilité appartient à Cortana et aux autres entités. Je veillerai personnellement à ce qu'il reste à jamais hors de ta portée. Ah bah du coup il est plus avec nous maintenant, il est plus très... Il est plus très amical, je trouve, hein. Putain, il y a un paquet là. Voilà, ça c'est fait. Oh merde! Oh putain! Empêchez-les de me tirer dessus!
Nouvelle cible, le soldat. Oui, chef. L'arrière de celui-ci est endommagé. C'est bon. Bizarre, le veilleur n'a pas l'air très amical avec nous, hein. Ça n'augure rien de bon. On va voir. Localiser Cortana, bah, je crois que c'est quasiment fait là, non? Ton temps est révolu, serviteur guerrier. Oh non, il va m'embêter. Les dés sont désormais jetés. Il va m'embêter, j'ai été surveillant. J'aurais dû garder mon arme. Il était tout gentil au début. Là maintenant il est tout amical. Là. C'est plus embêtant là. Ah non, c'est pas bien. Tu te bats pour qui est un rapace. Ah ouais. Bien. Debout, Linda. Hey Linda, putain. Les Spartans ne meurent jamais. Ah, je sais pas la tester. Yo. Sur le chevalier. Putain, je suis crevé là. Je suis pour la merde. Là. Des Covenants et de volutes intestines touchent désormais à sa fin. Allez hop, il passe. Concentrez tout sur ce chevalier. En haut là, ce qu'il y a. Ah, il vient là. Oh putain! J'ai besoin d'aide ici. Putain, c'est chaud! J'ai besoin d'aide. Il faut me buter. Oh putain, j'ai crevé. Venez m'énerve. Tiens, je vais recommencer où là? Début, non. Un soldat. Tirez sur ce soldat. Compris. Concentrez vos efforts sur le chevalier. Un de moins. C'est déjà mort une fois tout à l'heure. Tirez sur le veilleur. Non, 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 il arrête un peu d'envoyer ses boules. C'est parti. Il est énervé, hein. Allez, bien ça, putain, j'ai plus trop de munitions. La soumission, nous ne demandons rien de plus. Vous L'avenir de Cortana est assuré. Oh là là, putain, oh, ça va être chiant. Oh mon dieu, que ça va être chiant. On y va. Allez, vite, 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 vite. Putain, mais qu'est-ce qui me tape lui là? Concentrez tout sur ce chevalier.
l'impression que ça leur fait rien. La soumission, nous ne demandons plus. Notre priorité est le veilleur. Visez la sentinelle. Pas de problème. Entendu. Bon, il est mort. Tirez sur le veilleur. Compris. Allez. Entendu. Ça, c'est bien. Pathétique. T'as pas de tort. Ok, d'accord. Ça le major tout. A dit que vous étiez morte. Après ma dernière rencontre avec John, je suis passée en sous-espace. C'est là que j'ai pu accéder au domaine. Un système Forerunner qui englobe la galaxie connue. Toujours opérationnel? La frénésie. Le simple fait d'intégrer le domaine, cet endroit, ça m'a guéri. Comme une sorte d'élixir pour IA. On vous rejoint comment? En accédant à la passerelle. Le gros bâtiment bardé de lumière. Comme prévu, vous avez déjà enclenché la majeure partie de sa séquence d'activation. Plus qu'une connexion. Eh ben, on a fait des choses, hein. Continuez, Major. Vous êtes tout prêt à présent.
Cortana, pourquoi les veilleurs pensent-ils devoir vous protéger contre moi? C'est une longue histoire. Ce serait plus facile à expliquer en tête à tête. Je t'écoute. Le remède à la frénésie que j'ai découvert rend les IA immortels. Une telle longévité ouvre la porte à la planète sur long terme, à l'image des Forerunner. Les IA peuvent endosser le manteau de responsabilité Forerunner. Et quand la paix régnera, nous pourrons nous concentrer sur la pauvreté, la faim, la maladie. Mais le Veilleur craint que certains refusent notre aide. Comme vous, par exemple. Ça a l'air génial. Je ne vois vraiment pas pourquoi on refuserait votre aide. Le didacte a pourtant été clair. Le manteau de responsabilité implique la paix impériale. Quiconque sort du rang le paie au prix fort. Détrompez-vous, John. Je vous expliquerai tout quand nous serons réunis. Ok, et ben nous on va s'arrêter ici parce qu'on est déjà rendu à 40 minutes de vidéo et je pense que c'est le moment de s'arrêter. Bon allez les gars, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo, cette première partie de la mission 7 Réunion, donc les réunions avec Cortana. Et ben on se retrouve tout simplement pour la suite très bientôt. Allez les gars, bye bye et à la prochaine, salut!